Il y a à peu près 10 ans, le Louvre a décidé de se lancer dans un projet autour du peintre Hubert Reubert, qui est un de nos artistes fétiches. Très vite, l'idée s'est faite de proposer la collaboration avec nos collègues de la National Gallery. Nos espoirs, c'est de faire connaître un très très bel artiste qui est très apprécié aussi bien en France et aux États-Unis par les amateurs, les spécialistes, les collectionneurs, qui est peut-être moins connu par le grand public, alors que c'est vraiment une figure majeure du siècle des Lumières. C'est vraiment un artiste qui a été très très proche des grands esprits qui ont porté la Révolution américaine comme ils ont porté la Révolution française. Et Reubert, de ce point de vue-là, est un artiste très intéressant, parce que c'est un artiste qui travaille autant avec les images, avec les formes, qu'avec l'histoire. Et on verra dans l'exposition de très très belles représentations de la destruction de la Bastille, par exemple, qui est un moment clé de la Révolution française, et puis de très belles représentations aussi du musée du Louvre, qui est une création de la Révolution française, et au fond qui est un peu le musée matrice pour la National Gallery ici.